C'est le 6 juillet 2019 qu'aura lieu la 10e édition des 100 km du Perche, auxquels seront associées une épreuve de 25 km et une autre de 50 km, comme d'habitude. Si vous espérez faire une super performance en traçant sur de belles routes bien asphaltées et bien bitumées, ne venez pas. Par contre, si vous voulez passer une belle journée dans un environnement champêtre, au milieu d'amis sportifs qui partagent la même passion que vous pour le sport amateur et convivial, alors vous risquez de ne pas être déçu par les superbes chemins vallonnés et la belle campagne verdoyante qui vont s'offrir à vos yeux. En plus, vous pourrez bénéficier de ravitaillements particulièrement bien garnis, tenu par de braves gens du cru, et notamment au fameux ravitaillement maintenant plus ou moins célèbre, bien connu, de la Croix du Perche, où de délicieux gâteaux vous seront offerts, proposés, confectionnés par une vaillante boulangère qui n'est autre que la petite fille de Gilbert Roger, le célèbre marcheur, 6 fois lauréat de la grande course, de la grande marche Paris-Strasbourg, de 523 km.
En 2018, ce sont pas moins de 557 athlètes qui se sont inscrits pour participer à l'une des trois épreuves de 25, 50 ou 100 km du Perche.